Namasté les yogis! J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Sandra, fondatrice de yogapilatesandra.com, masseur kinésithérapeute et professeure de yoga et de pilates dans le sud de la France, sur Fréjus. J'ai été formée en kinésithérapie du sport et en yoga sans dégâts par la méthode de Gasquet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici comme contre-posture? On pourrait très bien aller peut-être vers des petites torsions d'un côté, de l'autre, pour continuer à ouvrir la poitrine, le cœur, grandir, accepter toutes les émotions d'ouverture qu'on a eues dans cette posture. On pourrait aussi peut-être aller vers un chiot pour continuer à ouvrir un petit peu ici la poitrine, mais toujours garder quand même l'introspection sur notre corps, notre esprit. Les émotions que nous avons ressenties dans cette ouverture au monde, aux autres, du cœur. Ou encore, on pourrait très bien s'allonger sur le ventre et fléchir un petit peu ici les pieds à l'aplomb des genoux et les faire aller d'un côté et de l'autre pour amener aussi des torsions. Et seulement ensuite, peut-être retourner vers une reptation inverse pour aller vers la pose de l'enfant. Et se relever doucement. Ouais, bravo! Au top! Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne YouTube.